Alger-Chin 3 à 17h, l'heure de retrouver Sabine Lahsen pour le journal régional. Vous écoutez Alger-Chin 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Rajal, bonsoir à tous. À la une, alors qu'il boucle 4 années à la tête de l'État, le président de la République s'adresse aux élus. Un discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État dresse un état des lieux des 4 années écoulées. Nous ferons également le point sur l'état d'avancement des travaux de réalisation du méga projet de phosphate intégré de TBSA, le géant qui boostera l'économie nationale. Guelma, nouvelle destination incontournable pour les passionnés d'archéologie. 11 sites romains ont été découverts cette année. En sport, un bond en avant a été constaté ces dernières années sur le plan des infrastructures sportives. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était cet après-midi au Palais des Nations à Alger pour prononcer le discours sur l'état de la nation devant les députés de l'Assemblée populaire nationale et les sénateurs du Conseil de la Nation réunis en session extraordinaire par décret présidentiel. Ce discours était l'occasion de faire le point sur la situation politique, économique, sociale ainsi que la politique étrangère du pays et de revenir ainsi sur les réalisations de l'année qui prend fin. Le président de la République vient de terminer son discours. Alors, que peut-on retenir de ce discours, Hakima Kamel? Bonsoir. Vous le saviez, donc on se trouve, vous le savez, au Palais des Nations. Le président de la République a clos son discours d'un peu plus d'une heure. Il était évidemment prévu qu'il fasse l'état de la nation, c'est-à-dire une rétrospective de ses 54 engagements, ce qui a été réalisé, ce qui reste à faire comme chantier de réforme structurelle, réforme de l'État. Mais le fait nouveau, en fait, de ce discours, c'est que le président a été plébiscité pour un deuxième mandat. Des voix se sont élevées parmi l'assistance pour l'inviter à se présenter aux élections présidentielles, les présents dans une forte majorité, sinon la quasi-totalité de l'assistance s'est levée, a applaudi pour confirmer ce plébiscite. Et puis en réponse à ce plébiscite, le président de la République a déclaré que le peuple seul décidera. Comme convenu, le président a fait une rétrospective de sa présidence durant ces 4 années. Principalement, il est revenu sur ses engagements, l'indispensable et la nécessité de parachever toutes les réformes. Abdelmadjid Tebboune s'est montré, et on tient à le souligner, avec un visage très très émotif au bord des larmes lorsque il a écouté l'hymne national. Merci Hakima Kamel, vous étiez en direct du Palais des Nations. Au volet économique, de grands projets ont été mis en œuvre ou remis sur les rails durant les 4 années écoulé. La promotion de l'industrie minière a été au cœur de ces projets avec la relance de 3 mégagisements de fer, de phosphate et zinc, des projets qui marquent la concrétisation de la politique de l'État qui consiste en la diversification de l'économie. En prendra pour exemple ce soir le méga projet de phosphate intégré de TBSA, une ligne de ferroviaire minière liant le site Bled el-Hadba à Ouled el-Kibrit situé à Sougharas. Il s'agit là d'un projet structurant qui permettra à l'Algérie de devenir l'un des principaux exportateurs d'engrais et fertilisants dans le monde. Le taux d'avancement des travaux est à plus de 80%. On fait le point avec notre correspondant Béchir Darbessi. Le méga projet d'installation d'une usine d'extraction de phosphate à Bled el-Hadba, Deir Adoub Belhat, connaît une avance atteignant plus de 83% sur une distance de 176 km de Bled el-Hadba à la frontière de la wilaya de Sougharas, Oued el-Kibrit. Le wali de TBSA, M. Khalil Saïd, a souligné la résilience face aux obstacles, exprimant sa confiance dans le succès final du projet. Dans le cadre du suivi du méga-projet de phosphate intégré Bled el-Hadba, il y a lieu de signaler que les travaux sont toujours à 82% parce qu'il y a eu quelques problèmes techniques qui ont surgi en cours des travaux, plus les dernières intempéries qu'a connu la wilaya de TBSA, ce qui a fait un petit retard dans la cadence journalière des travaux. C'est un retard qui peut se rattraper et on veille pour ça. Les 176 km de Oued el-Kibrit
mérite jusqu'à Bled el-Hedba, qui sont à un taux très appréciable, 82%. La perspective prometteuse sur la future production des chiffres évoqués par M. Louali suggère une contribution significative à l'économie locale et nationale. Le démarrage du chantier, une fois installé, il aura une production de 6 millions de tonnes en, qui va arriver dans les 5 premières années jusqu'à 13 millions de tonnes en, entre coproduction avec les Chinois et exportation. La capacité du gisement existant à Bled el-Hedba, à peu près pour le moment, c'est un flanc montagnier de 800 millions de tonnes et la capacité, elle dépasse les 3 milliards de tonnes. Donc, ce qui fait que l'estimation, c'est-à-dire dans le temps, c'est pour 80 ans futurs. De Tebessa, Béchidre Bessi pour Alger, Chien 3. Et en parlant d'énergie, la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a lancé des travaux de prospection de gaz et pétrole à Sidi Bel Abbès. Le projet touchera également d'autres wilayas. Inès Mohamed. Dans le cadre d'un contrat signé entre le groupe Sonatrach et l'entreprise chinoise Sinopec, qui active dans le domaine énergétique et des hydrocarbures, des travaux de prospection du gaz et du pétrole au niveau du nord du pays et des hauts plateaux, dont Sidi Bel Abbès en fait partie, ont commencé sur un périmètre d'étude de 300 000 m², détaille le directeur d'énergie et des mines Zennouch El Yazid. Nous avons réservé un terrain de 14 hectares au niveau de Tilmouni pour permettre à cette entreprise d'installer sa base. La base est installée depuis un mois. Et les travaux ont démarré au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Donc c'est un projet qui touche à 95% Bel Abbès et les 5% qui restent touchent la wilaya de Saïda et la wilaya de Maskara. Donc le périmètre d'étude au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès est de 1300 km². D'après le même responsable, les travaux de recherche géologique et diagraphique sont déjà entamés par la Sonatrach. La Sonatrach a décidé d'opérer sur ce périmètre, ce qu'on appelle la diagraphie 3D, donc 3 dimensions. C'est pour localiser d'une manière précise et évaluer les réserves en matière de gaz et de pétrole. Normalement, si nous sommes arrivés à cette phase de travaux, ça veut dire qu'il y a des indices de présence de gaz. L'étape suivante consiste à évaluer le volume et la rentabilité des réserves existantes en matière de gaz et de pétrole sur le plan économique. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Alger 3. Les accidents de la circulation ne connaissent pas de répit. 18 personnes ont été blessées ce lundi dans un accident survenu à Sougaras. Récit signé notre correspondant sur place, Adar Bouraoui. Un accident de la circulation a eu lieu ce matin au niveau de la commune de Mdaourouch, wilayat Sougaras, sur la route nationale 81A, reliant la commune de Mdaourouch à la commune de Ragouba. L'accident s'est produit entre deux véhicules, l'un léger de tourisme et l'autre affecté au transport des voyageurs. Bilan: 18 blessés avec blessures légères, dont 10 hommes et 8 femmes. Ces mêmes blessés ont été évacués par les services de la protection civile vers l'hôpital de Ndaourouch pour leur prise en charge. Une enquête a été diligentée par les services de sécurité territorialement compétents pour cerner les causes exactes de cet accident. De Sougaras, Sadr Bouraoui pour Agrichan 3. Agriculture à présent, c'est la saison des agrumes, une filière qui était d'ailleurs au cœur de la journée, de journée technique sur le développement agricole à Tizi Ouzou. L'accent a été mis sur l'entretien des vergers et l'irrigation pour améliorer la production d'agrumes. Compte rendu, Mohamed Haouchine. De nombreux spécialistes en agronomie ont animé à l'occasion des conférences débats en présence de nombreux exploitants agricoles pour les sensibiliser une fois de plus sur la nécessité de soigner et d'enrichir davantage leur sol pour améliorer les retenues d'eau même en période de grande sécheresse, mais aussi pour allonger la durée de vie et le rendement de leurs vergers, comme le confirme Madame Sophia Bourbia, professeure-chercheure à l'Institut d'agronomie de l'Université Mouloud Mamry. On se rend compte que malgré les bons rendements, on a des sols qui se dégradent de plus en plus. Et ces sols, on doit les considérer comme un patrimoine et non pas comme un capital. Ce n'est pas renouvelable. Je m'explique. Vous avez un verger d'agrumes qui, au bout de 50 ans, ne produit plus grand-chose. Vous pouvez arracher les arbres et replanter d'autres. Vous avez un sol qui est dégradé. Donc moi, je suis plus sûre comment conserver les sols que comment conserver nos rendements. Mais effectivement, c'est le rendement qui intéresse les agriculteurs. Il y a des pratiques culturelles que je viens d'expliquer à nos agriculteurs. C'est apporter des amendements organiques, c'est faire des couvertures de végétaux. Tout ça va faire que nos sols vont s'enrichir en matière organique. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Radio Chaîne 3.
Je vous le disais en titre, la wilaya de Guelma, un véritable musée à ciel ouvert doté d'un trésor archéologique. 11 nouveaux sites romains ont été découverts cette année. Ces découvertes témoignent de la richesse du patrimoine matériel de notre pays. Zoher Douaha. Le service du patrimoine de la direction de la culture a compté dès le début de l'année en cours 11 nouveaux sites archéologiques découverts. Le directeur de la même instance, Boujma Ben Amirosh. Cette année, nous avons découvert environ 11 nouveaux sites archéologiques appartenant au patrimoine matériel algérien. Ces sites sont répartis dans 8 communes, à savoir Hammam Nbayl, Galma, El Dahwara, Oued Cheham, Aïn El Gada, Aïn El Arbi, Aïn Ben Beda et Aïn Makhlouf. Toutes les mesures ont déjà été prises pour déterminer la valeur historique de ces ruines. Lorsque nous découvrons un site, la commission de la direction de la culture de la wilaya prépare un rapport complet. Soit la découverte est simple, soit elle nécessite une commission spécialisée comprenant des enseignants universitaires pour approfondir la recherche. Il y a une possibilité qu'il y ait un site antique. Par exemple, le site découvert dans la commune de Ain Larbi à la Mujta de Madouda est un site important qui pourrait être un indice d'une cité antique, selon les déclarations de la docteure Wafia. A rappeler que le nombre des ruines archéologiques recensées au niveau de tout le territoire de Guelma est en net hausse. Comparativement aux deux dernières années. À cet effet, 3 sites ont été découverts durant l'année précédente, contre seulement 2 autres en 2021. De Guelma, Zoher Douaha, Al-Jishan 3. On termine avec du sport, le secteur qui a connu ces 4 dernières années des changements plutôt positifs. Sid Ahmed Fethi nous fait le bilan. Le président de la République l'a dit dès son investiture. La relance du sport doit être globale et profonde, structurelle, infrastructurelle et organisationnelle. Infrastructurelle d'abord, puisque l'Algérie est en train de se doter de nombreux stades modernes de niveau international, comme le stade de Tizi Ouzou, un vrai bijou qui sera inauguré dans les prochains jours, dont le plan architectural a été conçu par l'Algérien Omar El-Maliki, et avec des gradins entièrement couverts pouvant accueillir 60 000 spectateurs. Un stade qui vient s'ajouter à celui de Douéla avec une capacité de 40 000 spectateurs et qui a été cédé en gestion au doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger, à l'occasion du centenaire du club. Ou encore le stade de Baraki, inauguré à l'occasion du Chan, organisé en début d'année, un stade qui porte le nom de Nelson Mandela, tout un symbole pour l'Algérie qui a toujours soutenu les causes justes. Sans oublier le parc olympique de la ville d'Oran qui entoure le stade Miloud Hetfi, lui aussi pouvant contenir jusqu'à 60 000 spectateurs et qui avait accueilli les Jeux méditerranéens qu'avait organisé l'Algérie en 2022 avec brio. Des acquisitions pour l'Algérie qui en appellent d'autres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. مركب هادفي ميلود ستاديوم مانديلا تاع دويره تاع تيزي وزو عندنا التوسعه تاع 5 جويليه ان شاء الله باش نكمل كاع الرن ونغطي منه قدر المستطاع على حساب التقنيات. Et pour la relance du sport dans sa globalité, le président Abdelmadjid Tebboune s'était engagé à relancer le sport scolaire et universitaire. C'est donc en toute logique que l'État a employé plus de 12 000 professeurs en sport pour pouvoir atteindre les objectifs assignés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. D'accord, nous revenons à la riyada al-madrasiya, c'est la refondation des sports. Parce que l'ASS, c'est un nukhba, il y a des sènes de l'Moubak. Et l'année prochaine, Inch'Allah, nous avons un médan de riyada jami'iya. Donc, le nukhba, l'ibtidaïa, tout le jami'a. Plus que jamais, l'Algérie est sur sa lancée pour devenir l'un des pays émergents en sport. 17h13 sur Al-Jashin 3, c'est la fin de ce journal des régions de ce lundi 25 décembre, réalisé par Ali Laouissi. Merci pour votre attention.